Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Du Premier ministre, son Excellence l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, messieurs les membres de la mission diplomatique de la République de Chine, Taïwan, leurs excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, monsieur le gouverneur et madame, messieurs les membres du conseil de la BRH, monsieur le président du conseil d'administration de la BNC, mesdames, messieurs les directeurs généraux et mon collègue de la NARC, mesdames, messieurs les cadres de l'EDA affectés, de l'EDH affectés au projet, messieurs les responsables de Overseas Engineering Construction, OECC, mesdames et messieurs, distingués invités. Il m'est agréable ce matin de prendre la parole au cours de cette cérémonie pour remercier le président de la République pour sa vision de construire une Haïti où l'accès à l'électricité n'est pas un luxe, mais plutôt une nécessité, un droit pour tous les Haïtiens d'où qu'ils vivent. Mais je suis aussi heureux de pouvoir constater et saluer la vitalité de la coopération haïtiano-taïwanaise grâce à laquelle le projet de renforcement des réseaux électriques en Haïti et de leur système de transmission va donc devenir une réalité. Nul n'est sans savoir qu'Haïti est le pays où les infrastructures d'énergie électrique sont les plus pauvres de la région. Les derniers investissements dans la rénovation des réseaux et de la chaîne de production de l'EDH remontent à très longtemps. Nous voulons rappeler pour mémoire, afin que tout le monde comprenne la nécessité d'un projet d'énergie électrique lancé par les autorités publiques pour commencer à adresser la crise systémique de l'énergie électrique en Haïti, que la puissance installée dans la zone métropolitaine est d'environ 255 MW et la puissance disponible de l'ordre de 150, publique et privée. La production propre de l'EDH représente 30% de cette production, alors que la demande en énergie électrique dans la zone métropolitaine seulement dépasse les 400 MW. La situation de l'énergie électrique dans les autres départements du pays est encore pire. Donc, dans le but d'adresser ces problèmes de manière structurante, le président de la République a adopté une série de politiques visant tant à redresser l'EDH qu'à doter le pays d'infrastructures électriques en réseau de transmission et en centrale de production. Ces politiques visent à faciliter à tous les Haïtiens l'accès à l'énergie électrique en vue de participer aux activités tant économiques que sociales du pays. Ceci étant, bien entendu, une condition sine qua non pour relancer l'économie du pays. Un autre aspect non négligeable est que ces projets vont permettre de créer les conditions pour que l'EDH cesse d'être un poids contraignant pour le trésor public. Dans ce contexte, ce projet a été conçu pour, entre autres, boucler la ligne 69 KVA de Carrefour à Varreux, étendre la ligne 115 KVA afin d'améliorer la performance du réseau d'énergie électrique et permettre de délivrer une électricité fiable aux clients de l'EDH. Le projet de renforcement des réseaux d'énergie électrique va coûter 157 millions de dollars américains et est financé par un prêt de la Exim Bank de la République de Chine, Taïwan. Il va permettre la réalisation, dans le cadre de calendrier serré, des travaux suivants. Construction d'une ligne haute tension aérienne de 115 kVA sur 52 km et d'une autre souterraine de 69 kVA sur 10 km.
construction de 4 nouvelles sous-stations, réhabilitation de 10 sous-stations, reconstruction de la sous-station Nouveau-Delma et réhabilitation du poste de dispatching. La construction de 43 micro-réseaux électriques, solaires et thermiques à travers le pays. Le but recherché par le président de la République est de créer les conditions pour mettre le pays sur la voie de la modernité en l'équipant de l'une des infrastructures économiques la plus importante pour son développement. Nous espérons que tout le monde mettra du sien pour permettre la réalisation de ce grand projet qui va satisfaire les besoins d'électricité de tous les Haïtiens de se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Pour mettre courant le pays à 24 sur 24 et pour vivre sous chaque Haïtien, vos ambitions. Vos ambitions que Jovenel Moïse, vu le président de la République là, a gagné. Mais pour faire ça, il faut des moyens, il faut un petit gel pour le faire. C'était sans compter avec des secteurs en dedans de l'IA. Il faut des jeunes cobla. Les jeunes cobla, et cobla, il faut qu'ils passent dans le Parlement. Nous tous connaissons ça. J'ai invité l'ambassadeur de Chine Taïwan, c'est lui-même qui s'est payé, qui prêtait Haïti 150 millions de dollars pour capable permettre que un bien pays a rentré dans la modernité électrique. Monsieur l'ambassadeur. Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, Madame la Première Dame, Nadine Moïse, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, les patients, comment nous y est ? Demain marquera mon premier mois de séjour en Haïti. Et je suis particulièrement heureux et content que ce soit aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accompagner le président de la République à sa cérémonie de lancement des travaux du renforcement du réseau électrique en Haïti. Cette cérémonie revêt une signification exceptionnelle, car je suis convaincu que ce projet sera, pour les nombreuses générations à venir, le socle de robustes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Excellence, Monsieur le Président, ce projet qui a été initié dès les premiers moments de votre mandat est non seulement le fruit de votre clairvoyance et de votre vision, mais aussi le fruit de nombreuses visites d'études d'experts taïwanais et de réunions de travail avec de membres de votre gouvernement et les techniciens ODH. Contre vent et marée, et contre toutes sortes d'obstacles survenus indépendamment de notre volonté, nos équipes ont tenu le cap. Je voudrais ainsi féliciter votre leadership et remercier tous les artisans de ce projet qui ont sacrifié leurs dons et qui se sont investis sans réserve pour le faire avancer jusqu'à cette étape. Je salue notamment l'équipe de mon ambassade ainsi que tous les collègues qui ont contribué à ce projet. Mesdames et messieurs, je suis confiant que ce projet qui vise à améliorer le transport de l'électricité marque le début d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie en Haïti. Grâce à un réseau de transport rénové avec des équipements et des matériaux made in Taiwan et construit par une entreprise taïwanaise, la même entreprise qui a bâti la fondation du développement récent de Taïwan, en alliant le savoir-faire local, la capacité de distribution de l'électricité sera considérablement augmentée, ce qui ouvre la possibilité de nombreuses opportunités d'investissement dans la production de l'électricité en Haïti. Je suis confiant
pour l'avenir de ce projet. Car depuis toute cette période de conception et de préparation du projet, nous avons été les témoins privilégiés de la volonté politique du président de la République, de la célérité des successifs chefs et membres du gouvernement, de l'efficacité de la PRH et du dynamisme de l'ODH, qui sont les éléments essentiels pour la réussite de ce projet phare de la coopération haïtiano-taïwanaise. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais également saisir cette occasion pour vous réitérer l'engagement de la présidente de Taïwan, Mme Tsai Ing-wen, à accompagner Haïti sur son chemin de développement national. Le lancement des travaux du projet du renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti met en exergue non seulement votre volonté d'améliorer l'offre énergétique nationale, mais prouve également la résolution du gouvernement taïwanais à accompagner durablement le développement Haïti. Je suis persuadé que ce projet, confié à la société OSC, présent en Haïti depuis plus de deux décennies, sera livré dans les délais prévus, avec l'aide de l'expert taïwanais et de leurs partenaires haïtiens. Ensemble, nous allons illuminer l'avenir de la perle de Caraïbes. Vive les relations éternelles d'amitié entre nos deux pays. Merci à mille. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bien-être tout peuple passé par volonté que leader gagne pour capable mettre conditions pour développer pays. Développement tout pays passé par courant électrique. C'est ça que leader pays a, dans le moment là, tu comprends, son excellence Jovenel Moïse, l'OL te dit la mettre courant 24 sur 24. Mais c'est pas des affaires tout le monde. Mais le pas de connaît que leader pays ça, le moment encore, c'est un monde qui a pile volonté, qui a pile courage et qui parle à gué comme ça. Donc, n'a dit encore, c'est une idée, une vision, un homme, une stratégie, le courage, symbolisé par son excellence Jovenel Moïse. Monsieur le Président, je vous invite au micro. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du Conseil de la BRH, Monsieur le Président du Conseil de la Banque Nationale de Crédit, Monsieur le Commandant en Chef AI, Monsieur le Colonel, membre de l'État-major, Monsieur le Directeur Général de la PNH, Monsieur l'Inspecteur Général en Chef, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique haïtienne, Messieurs les membres de la mission diplomatique taïwanaise, Mesdames, Messieurs les représentants de l'OECC, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir pour moi ce matin de prendre partie à cette cérémonie de lancement des travaux de construction de la première sous-station moderne du centre-ville de Port-au-Prince. Parce que
J'ai entendu beaucoup de choses sur ce projet. Il y a des gens qui parlent de réhabilitation. Il y a ceux qui parlent de reconstruction. Mais je dois vous dire que nous sommes en train de construire une partie du réseau électrique métropolitain et aujourd'hui représente le début de ces travaux. Nous ne sommes pas là pour faire la pose de la première pierre de ce projet. Nous sommes là pour lancer les travaux parce que ce sont des travaux qui datent, je dirais, de plus de 2 ans. Parce que depuis mon arrivée à la tête du pays, mon seul rêve, ma seule vision, c'était d'électrifier ce pays. Parce que je reviens du pays en dehors, du pays oublié, du pays ignoré, là où les enfants utilisent des lampes à kérosène, des lampes au diesel pour faire leurs études. Je reviens de ce pays. Et je l'assume, je suis fier de le dire ce matin et de dire je vais aujourd'hui retirer les fils et les filles de l'arrière-pays de cet enfer, l'enfer d'étudier dans les lampes à kérosine, l'enfer d'étudier dans des lampes au diesel. Et pour ce faire, il faut commencer un jour. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes en train de démarrer ce projet qui va ouvrir les yeux de ce peuple. Un peuple abandonné. Un peuple, parce que je dois vous dire, je suis là ce matin pour le lancement de ce projet. Mais hier, j'étais dans la Tibonite, je vois combien que l'État de ce pays abandonne le peuple. Et je l'assume, je profite de cette occasion pour présenter mes excuses à la population de la petite rivière de la Tibonite. Et je présente mes excuses à tous les Haïtiens, à toutes les Haïtiennes qui se trouvent dans de pareilles conditions. Et nous sommes prêts, moi, que vous avez voté, que vous avez donné mandat, que vous avez donné le pouvoir de vous diriger. Je suis en train d'exercer le pouvoir maintenant et je vais le faire. Diriger un pays comme Haïti, ce n'est pas chose facile. Parce que automatiquement, qu'une élection arrive à terme, quelqu'un est monté au pouvoir, même ceux qui vous ont voté deviennent carrément des opposants. Mais malheureusement, un pays ne peut pas marcher comme ça. Pour diriger un pays, vous avez besoin des partisans, des sympathisants, des hommes et des femmes honnêtes, des hommes et des femmes conscients. Et c'est cette conscience que je demande aujourd'hui à tous mes frères et mes sœurs, des élites de ce pays, que vous soyez de l'opposition pour le politique ou du parti au pouvoir, vous êtes tous responsables. Nous sommes membres de cette génération. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas tuer ce pays que nous sommes en train de tuer aujourd'hui. Nous n'avons pas ce droit. Et c'est pour ça que ce matin, je prends la responsabilité pour vous dire qu'en tant que chef d'État, je suis prêt. Je suis prêt à travailler avec vous, les élites de ce pays, mais dans le respect de la loi, dans le respect des règles. Je suis prêt à travailler avec vous pour aider ce peuple à sortir de l'ornière du sous-développement, de la misère, de la crasse. Je suis prêt. Mais je suis prêt dans le respect des normes, dans le respect de la loi. Le temps des combines, le temps des petits arrangements, le temps des petits intérêts, le temps des petits avantages, le temps des petits privilèges, ce temps-là est révolu. Je te prends de
décision font parler français parce que nous connaissons, nous avons lancé un programme avec Taïwan pour te comprendre bien. Mais comme nous connaissons, c'est 10 à 15% de nos pays qui parlent français et qui comprennent français tout. Mais 100% de nos pays parlent créole et comprennent créole. Moi, je suis matin, hein, d'ailleurs, comme dit nous, le discours de Laurent Bill, même décidé, ce n'est pas l'imlif, ce n'est pas l'imbalak. Parce que moi, quoi que pays ça, ça m'a fait fête aujourd'hui, pendant le président, je ne peux pas permettre de faire. Et nous-mêmes, frères et sœurs, qui partageons l'élite, parce que nous sommes même élite, moi, c'est responsable, parce que je suis président du pays. Mais ça ne pas qu'à continuer comme ça. Et me dit pas qu'à continuer comme ça, et pas continuer comme ça. Gourmet ça me fait là, entre 2017, je dirais entre 2015, le Daniel se dit, c'était arrêt de mon moment de signer, je me parlé de courant dans la campagne. D'ailleurs, courant fait campagne qui est longue dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est courant, il met 22 mois dans la rue. Président depuis octobre 2015. Même pas de cas monter président parce qu'il y a des combines mal acceptées. Je dis à peuple, il faut qu'on ait. Et il y a des combines pas jamais acceptées. Et il y a des combines moins 10 000 encore, pas jamais réfléchir. Pendant mon président. Je dis à, après 22 mois de campagne, parti que nous sommes sortis dans l'acte au pouvoir, perdu pouvoir. Je prends un bâton Pélérem. Je remercie tout le monde. Équipe qui a fait campagne avec moi. Tout le monde de près ou de loin. Qui était là toute la nuit, toute la journée ensemble avec moi. Première dame, non. Mais on casse, puis on casse dans la campagne. Merci. Nous sommes toujours là, beaucoup de spectateurs général là. Délégué départemental l'Ouest, secrétaire d'État sécurité publique, général l'armée, ministre intérieur, ministre justice, ministre défense, m'a dit nous, hier, c'est moi qui t'as le savien. Peuple savien attend nous. Premier ministre, chef CSPM. Chef savien, moun savien, moi-même m'a allé hier. Je vais profiter de chaque monde qui était venu me conseiller, je vais me faire prendre précaution, nous avons une bonne décision. Conseiller mieux avec lui. Pour nous connaître quelqu'un des décisions. Là, nous prenons, nous toutes, c'est pour nous assumer. Surtout, conseiller la sécurité président. Parce que peuple, ça, c'est le bon pouvoir. Il n'y a pas de bon pouvoir pour nous cacher, il n'y a pas de bon pouvoir pour nous marrer dans la difficulté. C'est pour mal joindre nous. Il n'est pas possible ça moyen. Et même Jean Mounan Belé, capitaine de Mla, c'est même Jean, il me dit pour mon avion, il me dit pour mon Belé, que je dis à tout le monde, grosse autorité dans l'État, qui l'a pour se bailler sécurité dans le pays pour nous prendre charge. C'est pour nous dans la zone où la journée colonie, nous ne pouvons pas payer vagabond. Parce que l'insécurité, c'est pour cyclone, c'est pour catastrophe naturelle, c'est pour tremblement de terre. Ce sont des groupes qui décident de vivre avec lui. Et nous, nous connaissons. C'est nous qui connaissons la stabilité politique, comme tu dis dans la campagne, qui est le premier des biens publics. Stabilité politique là, c'est le plus gros poison pour nous. Depuis le pays est stable. Nek sa yo pap ka fè l'ajan, parce que yo bon gros ba yo toujours dit en français, je nage dans des eaux troublées. Je dis à pays a besoin de l'eau claire. Pour tout le monde gawe claire. Peuple là, yo mette en situation pour exaspérer yo. Ça veut dire ou même qui fin voter pour vivre contre moi. C'est une situation ça yo mette yo. Parce que malé, ça vient. 18 500 personnes qui étaient zone là. Il y a erré dans Saint-Marc, dans Gonaïve, dans Port-au-Prince, tout côté. PM,
mandé au monde ça yo faire retourner la caillou parce que c'est pour ça que j'ai voté et c'est pour ça que moi-même moi choisi comme premier ministre. C'est pour retourner la caillou. Faut que retourner la caillou parce que m'pa jamais qu'on pays sur la terre côté monopole violence qu'on n'a même pas bon. Monopole violence c'est dans l'état ça y est. Il est trop loin. Et ça n'a pas des amis là-dedans. Il n'y a pas de connaissance là-dedans. Un homme qui comprend. C'est Zam Manchelon. Tout le monde connaît qui a signé pour dire Zam Manchelon. Il n'y a pas de dire c'est constitution. C'est force, même là. C'est l'armée avec la police. On va avoir un fusil Manchelon dans mon monde pour être policier, ça veut dire. Et puis pour nous d'accord, c'est inacceptable. Nous pas avoir un fusil Manchelon dans mon monde pour être militaire. Et puis pour nous d'accord, c'est inacceptable. Et puis il y a fait choses sur les réseaux sociaux, dans la télévision, ça arrive trop loin. Nous disons à l'État, exercer violence nous, pour nous capables de mettre l'ordre dans le pays. C'est ça que nous demandons. Réseau électrique, ça, nous sommes dit nous, dans le français, dans la langue, qui parle de maman. Comment moi-même, c'est dans l'autre tête grida qu'on étudie tout. Et m'assumer le fier pour me dire. Parce que ce n'est pas tout le temps que j'ai un coup de bois de gars. Tant pis le monde, captain de là, le monde qui campait pour payer à bas de courant, il n'y a pas de comprendre pas ça. Parce que je ne vais pas vivre là-dedans. J'ai de là-bas un coup de bois de gaz blanc pour mettre dans l'autre à verre. Parce que là, ça n'est pas bon. Son petit gaz rouge acheté pour mettre dans l'autre tête grida. Il y a des gens. Cap garder mon capitaine de me la compte samedi. Ah ben c'est pour samedi je dis. Mais bon pouvoir, faut retirer nous. Ni dans notre tête grida plat, ni dans notre lampe à verre. Parce que nous dans le 21e siècle, c'est pas possible. En pile gros nègre et créatique, il y a un avant-yemli, Mary, qui dit que la République dominicaine prend 100 ans pour le sort de la noir. Les États-Unis prend 75 ans. Comment pour Jovenel Moïse là, et bon 5 ans. Et mais ou même qui était créatif là, de ça. Et puis son docteur, qui est créatif là, la prend 5 ans. Parce qu'il était courant dans le livre là. Et n'a pas le livre là. Docteur Galix là. Hein? Suivez mon regard. Ministre ou livre là. Directeur de HLO là. Très bien. Gouverneur Banque Centrale, Premier ministre, tout là. Ça veut dire pays, c'est normal. Si nous voulons sortir dans sa lieu, il faut diviser 100 par 10, il faut diviser 200 par 10. Ça veut dire que ça peut être dans 100 ans, il faut qu'il y ait dans 10 ans, il faut diviser 100 par 20, il faut qu'il y ait dans 5 ans. C'est ça, boulier. Parce que nous faisons 217 ans qu'on est en union depuis nous indépendants, on a fait même mal là. Chaque temps que nous montons le président qui a combattu pour le pays, nous diabolisons, nous assassinons, nous fusillons, nous exilons. Ça va suspendre. Et c'est ça que nous dédions pour le 1er mai. Nous dédions, nous donnons tout le monde, ma prédit encore. Petite là, la fête, et si c'est César, il y a pour faire couteau à mener. Je vais couper votre là, je vais sauver ni petite là, je vais sauver ni maman. C'est l'homme de dit. Et c'est ça que je fais. Je ne vais pas faire crime. Je vais sauver le monde. Et c'est l'homme de dit, c'est l'homme de dit. Et c'est lui qui a fait nos affaires courants là. Je vais sauver ni petite là, ni maman. Ça veut dire, Bistouri est toujours là pour opérer maman. Parce que c'est son opération pour faire nos affaires là. Je ne vais petite la papa fait dans la couche normal encore. C'est César qui a fait. Et la fête, chaque monde doit jouer. Un monde qui parle le fait tout, nous répéter encore. Quand il se côté, la justice a pas la pour. Parce que le pays ça nous trompe, trop. C'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui avons le monde pour écrire toute qualité de bagaille sur le monde. Assassiner caractère monde, détruire le monde à coup de plume. Dans les réseaux sociaux, ça finit. Jodi a me dit, campagne électorale m'était fait à côté de me dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce moment ça tourne. Nous tournons un moment pour nous parler avec le peuple, pour nous parler avec nous tous.
pour nous dire nous suspendre. Ça n'a fait, nous commençons à faire trop longtemps. N'a fait, depuis 17 octobre 1806, nous tuer des salines. Depuis le ça. Nous ne sommes pas suspendre. Je dis à nous-mêmes, petite chouette qu'à l'école, nous disons assez. Et nous dit tout le monde capé. Frère, c'est en tant que nous besoin. En tant que nous avons besoin. En tant que nous riches, en tant que nous pauvres. En tant que nous la ville, en tant en dehors. C'est ça nous demander. En tant que diaspora, nous avons besoin en Haïti. C'est ça nous demander. Et c'est lui qui nous a fait. Si vous ne pouvez pas le faire, nous mettons sur côté. Parce que fuck lui fait. Et il n'y a pas capable encore. Cette histoire divisée pour le moment ça a fini. L'État, c'est lui qui a tout moyen. Et pourtant, de chaque élection, tel candidat et tel groupe. C'est pour ça que je demande, prochaine élection pas le fait, le conseil électoral qui presque fini. Je ne vais pas dire fini même. Non, loi électorale là, il faut que les codes qui mettent PM dans le budget pour financer les partis politiques qui parlent dans l'élection. C'est trop bâton. Même l'État ça, nous qui nous fait tourner l'État pesé sous ça, que nous-mêmes nous pesé dans le souci, que nous prenons l'argent pour nous financer les gens, pour prendre pouvoir, alors fini pour nous diriger par derrière. Je dis à 6 mois nous te financer, nous te disons ça. Coupez maintenant des bonnes gobelins. Parce que politique qui vous faites dans le pays aujourd'hui est politique peuple. C'est politique monde qui fait faire mieux. C'est politique ça que vous faites. Ça veut dire vous riche, c'est vous venez plus riche. Ça veut dire faut conditions réunies pour faire l'argent. C'est pour ça que fait aujourd'hui à nous prendre décision ça. Pour nous mettre dans le problème qu'on y est. Directeur de DHA dit 400 MW, map d'ODG. Port-au-Prince, je dis à ma balle avoir besoin de 600 MW. Parce qu'il y a 400 MW qui est en co-génération. Ça veut dire, nous avons produit propre courant par eux. Palais national, BRH, tout. Gardez combien de grues nous avons là. Ça veut dire, toute grue, ça a gros building qui a bâti. Mais qui courant qui va le faire marcher? Génératrice, même si je me dérive derrière le palais, je n'ai 8 génératrices en papier là. C'est eux qui ont pris même nos cailles qu'on y a avec nous, si vous avez. Nous devons vous en dépendre. En plus, le plein de fait, président, pour un génératif, vous êtes dans le projet. Peuple n'a pas de voter, vous qui êtes un génératif, vous êtes voté. Nous devons nos cailles qu'on y a avec nous, si vous avez. Nous devons nous avoir. Et c'est pour ça que nous devons nous parce que nous devons nous aujourd'hui, ça a privé. Jodi, à building, c'est eux qui ont construit sous station, ça, c'est lui qui va l'alimenter. Mais c'est pour ça que nous devons nous générer. Je ne sais pas si nous devons pas de besoin. Ça a dit sous station ça là, qui a construit là. C'est lui qui peut alimenter tout centre-ville là. Tout gros building ça, toute cité administrative là. Tout le monde qui a un business dans le centre-ville là. C'est sous station ça, c'est lui qui peut alimenter. D'ailleurs, m'a dit tout le monde, mettez courant. Il même qu'a produit propre courant par eux. On est au niveau 400 MW. Les couteaux, ou achetez parfois. Non mais. Pour l'autre monde, on gagne à 22, 24 centimes. Moi-même, je dis à ma décision pour reconstruire les eaux électriques métropolitaines, ou même qui est dans l'industrie, ou même qui est dans l'hôtellerie, l'État va le vendre à 15 centimes kilowattheure. Ça veut dire que 7 centimes sur chaque kilowattheure. Mais posez-moi une question. Pour qui ça l'État qui a vendu à 15 centimes? C'est parce que les cactes qu'on achète en moyenne à 32 centimes longtemps, je dis à nous gagner des prix qu'a possible. Je dis, docteur Alex, DGDH, parlez. À 8 centimes. C'est pour ça l'État qui a vendu à 15. Et pourtant, même l'État, ça, tu as acheté à 32. 32. Dans mon équipe, l'équipe, ça va pas. Quand vous venez à 32, déboutant de parler d'affaires 32, vous allez en rendre. Je dis à papa, il n'y a pas de lion, mais lion, mais le gars est devant moi. C'est peuple-là, c'est moi qui représente. Ça veut dire déboutant pour vous et moi, on a fait peuple-là, je vais retirer. Et ça veut dire, les gens, on va retirer. On ne peut pas parler, tout le monde va dire tout le bagaille. Mais moi-même, je dis ça, je vais couper avec nous. Pour nous suspendre, fouiller, douette, nous.
dans Djakout, Zaka, Djakout, peuple là. Bonne suspend. Parce que mettre courant dans le pays, ce n'est pas affaire président. Li. Et m'a pas venu dans des sessions de marché dit, pour me retirer au groupe, pour me mettre dans l'autre groupe. Depuis le monté président, je vais nous tous qui sont dans le courant. Dans un voyage avec nous, nous avons à Paris en décembre 2017. Nous tous dans le même avion avec nous. Nous tous dans le même hôtel avec nous. Je parle aujourd'hui. Et m'a dit nous, nous avons 300 mégawatts. Nous avons nous à 8 centimes. Nous avons dit nous pas capable. Nous finissons dit nous pas capable, nous disons nous pas capable. Mais je dis à moi-même, moi-même capable. 8 centimes, non, c'est l'inap, mais n'est pas pays. Pour que nous, 20 ans, venir, nous, en Haïti, par contre, j'aime qu'on soit le faire encore. C'est l'inap, pour te parler, 8. 8. Nous, nous, mon bloc de Nini, il m'a parlé, mon nez. Je parle de blanc, Mr. White, I need one digit. Il va te comprendre blanc, dit, oh, ou pas besoin de me comme ça. Il va te mettre un blanc. Parce que moi, si c'est un digit, je ne pas 9 centimes que je ne ça veut dire que c'est toujours, c'est one shot deal. Ça veut dire pas que pas comme si pour payer à la longue même. Ça veut dire que je même blanc. Blanc, lui même d'accord pour le vendre du tout. Mais sur 8 là, je vais remettre 8 même. Pour le 16. Moi-même, je dis à peuple là, aujourd'hui, pour un contrat long terme. C'est sur ça notre travail. Et c'est sur ça équipe solide, ça. Premier ministre Chida là, ministre de la République là, directeur général EDH, conseiller en énergie. C'est sur ça notre travail. Pour mener ma ou en 8 centimes durable. C'est pour ça que nous te mettons. Nous te mettons, président, pour nous dans le gourmet. J'aime te dire, nous-mêmes, nous savions hier. Bataille n'est pas facile. Puis là, nous comprenons. Chita dans le palais national. Dans le temps est conditionné. Pour recevoir gros tourou. Gros chabou avec son mari qui est facile. Pour retourner pour voir sa barou. C'est difficile. Et c'est ça m'a fait aujourd'hui. D'un coup, j'en nous emballé. Sous affaire gros tracteur acheté pour crier salut Flobier. M'a pas gâteau, t'es fini de dire ça tellement parce que hier matin, ça me dit ouais, ça vient de tellement faire me fâcher. M'a pas gâteau fini de parler avec nous dans le canal là. Mais dans le budget national, le canal ça chaque année 10 millions de dollars pour crier. Et puis, j'ai un coup de pelle qui fait dans le canal là. C'est pour ça que je demande au ministre, ministre justice, là, il là, ministre, oh, ministre finance là, pas ministre justice, ministre, on bien content ministre finance là, pour bien garder pour moi, dans le budget, agriculture, ministre, l'argent qu'on crée ça, il faut n'a pas viré le budget d'investissement au DVA. Parce que au DVA a besoin l'argent, je vous dis. Au DVA, bah, j'en mets 5 cob, parce que comment cob la diviser, ça lui faut de la quantité, tel bagage. Ça veut dire, c'est des cob de vie en l'air. Cob la prend. Ça veut dire, je vous dis, nous acheter 3 équipements. Première fois, équipement ça en Haïti, c'est 3 excavatrices amphibies qui coûtent l'État haïtien 2 250 000 dollars pour 3. Attendez. 3 excavatrices pour 2 250 000 dollars. Qui a garanti 5 ans sur eux pour entretien et réparation. Même si nous t'a dit que c'est chaque 5 ans qu'on a acheté, ça veut dire après 5 ans nous finissons garantie. Nous vendions, nous achetons 9 ans quoi. Calculez combien de blocs coûtez nous, pas année pour nous qui salif le doué, qui te compte pour 10 millions de dollars dans le budget national. Je dis à nos amis, la politique qui est le petit président, c'est le plusieurs péchés capitaux qu'on fait. C'est quoi qu'on retire dans le canal Saint-Flobier. C'est que vous travaillez ou pas contre qui l'orgue mon en face. Je ne sais pas si l'équipement ça va l'acheter, mettez mon en face. Parce que dans le cob ça, elle mettait, nek ça, prenti mon sur travail ça. Son petit compagnon qui fait, l'autant de si pour le faire, 1 km dans le canal là, parce que son canal qui mesure presque 20 km, mais ancien ministre Thomas Jacoula, c'est 20, ça lui faut 9 km,
9 km de longueur canal la mesure. Haïti a séparé le Timozo, Timozo. Et puis j'ai entendu, le canal n'a jamais qui revient l'argent payé. C'est pour ça que je dis que les bagailles sont difficiles. Et à partir d'année ça, ces saisons sèches-là, les gens dans la Tibonite ont commencé. En novembre, nous avons un équipement pour curer le canal. Nous. Et équipement pour le travail 24 sur 24. La police, l'instruction, DG, DG Akla, qui me dit merci, moi, qui ai envoyé machine pour sécuriser toute zone. Ça, il y a 5 machines tout neuf calées. Et construction commissariat a commencé pour que les gens verraient, les gens liens coup, les gens tirent, les gens marchands. Moun passe-pied, moun villa, moun lester, moun dédine, moun ti dédine, moun grande saline, moun la grange, moun bogozel, pour que nous-mêmes, moun Saint-Marc, pour nous gen souffle, moun posonde en bas griffe. Vacabon, quand je nous vive. Moun qui connaît, moun sa ou tap travail pour chercher un autre business. Parce que CNDD, la police là, l'armée là, nous allons servir avec eux. Parce que ce n'est pas possible. Le peuple là, il demande la paix. Seul choix de guerre, c'est la paix. Nous ne pouvons pas qu'il y ait des gens dans ça nous est passé l'autre bord. Quand il y a, n'a pas entré dans le sujet, je vous dis à qui c'est construction réseau. Ici, la côté de Mkambé là, je nous ai, directeur de la chasse, dit nous, dans le bon français. Là, il y a une sous-station. Mais pour nous comprendre bien, peuple, ça qui est une sous-station. En sous-station, on va nous dire qu'on met bien dans la zone métropolitaine. Non? C'est un coup, où il y a de l'eau sale qu'on va le traiter. De l'eau à courir et puis l'arrivée, l'entrée dans le système de traitement pour le bord de l'eau propre au Gabouya. C'est même gens courant, nous-mêmes qui avons gardé là, nous connaissons les lignes péligues. Seul côté qui a une ligne haute tension dans le pays, c'est péligue pour arriver à Port-au-Prince. Ça veut dire, c'est ligne 50 km qui prend 54 MW qui sont péligue là, qui mène à Port-au-Prince, qui tombe dans la sous-station. Et puis à partir de sous-station, ça a distribution, comment c'est fait. Vos connexions faites de sous-station, si nous continuons dans moi, l'hôpital là, nous avons de gros poteaux qui passent tout, qui passent tout dans la zone savane pistache, monté par derrière Fontamara. Poteau ça, il y a allé dans la sous-station rivière froide. Et nous avons regardé là, connaît qui côté sous-station ça y est dans la rivière froide. Maintenant, tout système ça en tout. Capable de porter, je dis, seulement, je dis, avant de ma parole avec nous, 250 000 €. Mais, il construit pour 353 MW. Mais je dis, vous ne pouvez pas mettre plus passé 253 MW sous lit. Vous ne pouvez pas mettre plus. Parce que le pape car je vois plus. Et Port-au-Prince besoin 600 MW. Ça veut dire qui ça? Même si vous avez 600 MW là, pas de route côté pour le passer. C'est même genre, un monde qui t'a aimé, mais non trailer, 40 pieds, je dis à Caris, bon exemple. Ou pas qu'à mettre les 40 pieds à Caris, parce que route qui sortit Wadamé pour y remonter organisé. Pour sortir mon organisé pour Alcaris, il pas permettre que ta route là, Jean Koubioye, il pas permettre que tu laisses ça arriver à Caris. Même si vous passez par mon bien cochu, mais là vous venez dans mon drainé, vous venez quitter Bois de l'Ouest, vous ne pouvez pas arriver. Eh bien c'est ça tout. Courant, même si vous gagnez 600 MW pour tout prendre besoin, je dis, pas de route pour passer. Et même wall 157 millions de dollars. Parce que bon 7 millions en plus, je vais expliquer nous qui ça 7 millions et peuple à vous connaître. L'homme prend décision pour électrifier le pays. Malé Taïwan et président Taïwan, président Tsai, te recevoir moi, nos visites d'État. Et nous d'accord pour te prêter 150 millions de dollars. Daniel, à la droite, je vais te raconter ça.
Et là, je suis parti à Taïwan. Malade. Je dis, pas de bien caché dans le bouton. Côté malade, là. C'est 10 janvier. Les Guinées, c'est 10 janvier. Bon. Je suis accompagné de président Sénat avec président Chambre des députés. Ça veut dire le président de l'Assemblée nationale et le vice-président de l'Assemblée nationale. Deux témoins. Je suis parti mal d'ailleurs avec eux. Pour assister à tout ça, nous avons fait. Eh bien, bah, là, c'était bien compté, malgré le Guinée. Nous venons ici, nous avons un projet, moi-même, je connaissais. Le projet n'a pas le passé, comme ça. Je prends un projet, je vais voter dans le Parlement. Chaque jour, je dis, il y a fait. Comment? On va assembler comment? Non, la conférence des présidents, je fais fait plusieurs fois. Pour l'autre bail. Non. Bon, assemblée, pour faire chaque. Mais au cas fait le président commande et puis le met-il. Ok? Non. Assemblée nationale. Il y a pour l'Assemblée nationale spéciale qui vous permet. Ça veut dire assemblée nationale à l'extraordinaire, mais c'est moi qui commande. Parce que, premier frappe moi, hein? De l'aime de vos ébats là, donc si m'a passé, et puis la chambre fermée, la chambre en vacances, je dis pour nous prendre un bail rapide. Mais même les gros conseillers, bon, vous savez, dans le palais national, courir préparer, assemblée nationale extraordinaire, vie, considérant, gratique, bah nous voyons aller. C'est un gros gentil féminin là. Assemblée nationale extraordinaire, bah, je me fais. Comme il y a depuis les sam, comment j'ai dit, ça a passé là. Bon, c'était pas là, c'était pour le dépasser normal qu'on y a assemblée nationale. Qu'on y a session ordinaire vient reprendre. Depuis les sessions ordinaires reprendre, différemment bas. C'est là ça, tu as drôle de choses. Et puis il y a des gens tout. C'est ça, il y a des victimes collatérales. Premier ministre Lapin, le premier ministre là. Puis Foutu William, tout le monde sont des victimes collatérales. Parce que le problème, c'est des affaires courantes. Dis-moi, lui, en bas. Il y a de mettre Tiba dans la machine climatisée, descend en bas. Tiba fait, descend. L'autre, il pété. Il me dit, mais ça va passer pour qui ça, par là? Parce que son premier ministre qui a mis, pour qui ça, tout ça? Et pourtant, ce n'est pas des affaires, premier ministre, le peuple là. Premier ministre, il était là. Au mauvais moment, à la mauvaise heure. Cette affaire, pour contrat, Taïwan va passer, non? C'est ça qu'on a problème. Contrat avec 14 mois. Ça me passe. Et me dit, je suis à l'aide de qui parle pour eux. Dans le sens pas. Tout le monde connaît que je suis démocrate. Je suis là pour encourager le renforcement institutionnel. Mais le peuple a bon pouvoir. Ou pas qu'il doit prendre pouvoir peuple là-bas ou à tout pour faire volonté un groupe monde qui construit un système PG sous ces des oligarques corrompus qui construit un système PG sous ces dans le pays depuis 10 d'antan. Ou pas qu'il doit faire ce travail. Vous avez besoin de courage, même j'en prends courage ma demain aujourd'hui. Et si mon conseil, moi qui ai 51e législature qui a venu. Pour courage nous. Pas quitter personne, jamais mené nous. Côté, vous voulez. Songez peuple qui te vote là. Nous nous cap dormi dans la tête gridap. Et c'est pour ça que je fais l'appel ça. Je dis à pas de sous-station pour le construire. Sous-station pour le réhabiliter. Je ne parle pas si c'est grain par grain qui quantité commune dans le pays. Il n'y a pas même comme ça. Et comme ça. La commune ça, vous avez un député, vous avez un sénateur. Dans toute commune ça. Table dit, c'est pour nous dire que le peuple doit pouvoir. Le bon pouvoir, je vois le pour lui. Sous qu'on a ou paix, pas le bon pouvoir non plus. 14 mois après, moi arrivé, parler avec le président Saï. Nous songeons, le président est venu même en Haïti en juillet 2019. Le président est venu.
la prière, j'ai de l'eau et d'agenou pour moi si bouger à tes gars si un grand président vini. Ah, balbabati. Je pas si le président vini mal au mot, il me dit mettre tête ma tête. Président pas m'a comprendre non. Développer un pays, il n'y a pas l'affaire de nom. C'est pas fait pas seulement. Je dis à m'a mettre. M'a construit 4 sous-stations neufs dans Port-au-Prince, même pas Port-au-Prince. Même pas dit c'est un pays pour malade, mais Port-au-Prince c'est l'équipe plus importante, je dis à qui boule un coup. Parce que c'est là que plus mon qui était. C'est pour ça que nous prenons une décision de construire sous-station Cité Soleil, que nous connaissons. Et problème de terrain, fini. Terrain va Cité Soleil, pour sous-station. Ok, ministre, tout bas, ok. C'est sous-station Cité Soleil qui va en face Mario, Central Mario, que nous connaissons. La deuxième sous-station neuf qui va le construire dans la zone cabaret, mais plus ou moins plus près Titan. La troisième sous-station, c'est côté nous, là, dans le centre-ville, pour comprendre ça. C'est lui qui va le construire. Et puis, la quatrième sous-station, ça a sous-station, ça, c'est lui qui va le desservir. Toute zone, nous, on voulait appuyer de Jésus Bois Neuf. Ça veut dire, nous allons construire sous-station pour nous faire courir, sortir Bois Neuf, pour arriver les organes. Mais ça, tu vas me mentir. Depuis que je dis ça, je suis menti, président. Je dis à papa. DG Condé, sous-station, nous ne pouvons pas venir faire pause première pierre, nous commencer à construire. Je dis, ça veut dire, 4 sous-stations, c'est 4 sous-stations tout neuf. Et nous allons réhabiliter 9 sous-stations. Nous voulons parler de sous-stations de Varo. Ça veut dire nous allons parler de tout neuf. Son jeune de dit nous, vous avez supposé porter plus passé 350 mégawatts sous-station qui est connu. Mais il y a porté seulement 252. Pour porter 300, combien de mégawatts vous avez besoin, ça vient là. Il faut nous réparer sous-station Vareux, sous-station Tabac, sous-station Matissan, sous-station Rivière-Froide, sous-station Croix-d'Émission, sous-station Canabé-Vert, sous-station Ancien Delma, sous-station Toussaint-Brave, sous-station Croix-des-Bouquets. Pour peuple à comprendre bien ça comme sous-station, c'est quand on a un gros fil péligro, il y a un théâtre. Et puis là, on n'a pas quatre autres pièces. Tant qu'on a Delma 33, si y a un monde qui va nous passer, on va nous voir la rue. Là, on a tête, on va nous voir en bas. C'est ça, le long sous-station. Ça veut dire nous parler de réhabilité. 9 sacs de gain, on va mettre tout neuf. Et nous allons construire 4 autres neuf. Bon, nous tout profiter de l'occasion pour nous dire, OECC, nous connaissons Jean, ambassadeur d'Aïon, dans ce deal-là, il y a plus passé 20 ans. Ici, il y a deux valeurs mal demandées au OECC pour le peuple, non, peuple haïtien. Premièrement, nous songez les OECC à construire pont sur route Port de Paix. Route Port de Paix, nous avons combien, maintenant, 4 pour nous ici, mon nord-ouest, t'es garanti à ce point-là. Nous connaissons, pas plus de problème. Les ponts à construire, OECC dans 6 mois, moi OECC construit un pont. Plus qu'on douzaine bon. Même vitesse ça, c'est le maquement de OECC dans affaire construction réseau électrique là. Et pour l'ambassadeur de Taïwan, c'est un bail qui est important. Il dit toute pièce yon made in Taïwan. Peuple là, pour nous comprendre ça, made in, parce que nous ne pouvons pas. Pour m'expliquer au peuple là. Ça veut dire toute pièce Taïwanais ont bien utilisé ici, yon construit, yon fabriqué au Taïwan. Ça veut dire, son bonne nouvelle que l'ambassadeur a cette bonne là. OECC, ça m'a demandé, c'est devant de l'eau, c'est pas les poches. Pendant la Jodia, fait exactement 3 ans, 7 mois au pouvoir. Il était 1 an, 5 mois seulement. Gardez pour eux, soit réduit par là, pour même gens où elle était travail. Nan poyo sou wout pou di pè. Mèm jan nou te travay pou mwen nan peyi rock di fè nou fè sant semansye fò libèté a fèriye nou fè sant semansye fale la tibonit la nou fè sant semansye ou kay la sa lè di nou konstruit 3 sant semansye pèk la pou kon ba jamè demè nan dialog la ou pa pèk la pou alwè pa jè son dialog pou agrikilti mèm sa genè yon 3 sant semansye sa yo. L'homme de rencontrer
ancien ambassadeur Taïwan avec OECC, c'était 28 millions de dollars pays Taïwan de faire nous garder. Et c'est un projet qui a fait sous 5 ans. Nous t'entendons avec OECC, le même yopé, prêté comme là, c'était ça, le même yopé, et on construit centre dans 10 mois. Tout. Tous les droits. C'est même miracle, ça m'a demandé au OECC, je vous dis, à nos Parisiens. Pour moi, comment pour nous faire pour nous travailler jour et nuit, la police qui est là, l'armée là, la justice, sécurité publique, délégation l'Ouest qui est là. M'a quoi, j'ai demandé pour ta force à former ministère de la République là. OECC a besoin de visite nous souvent. Pour nous suivre, pour délinquants, vous êtes loin, dans le travail, c'est ce que vous faites là. Pour nous suivre, que y a de la paix pour construction, réseau ça a fait. Nous connaissons pas capable de réponse là, je vous dis. Mais maintenant, de nous temps pour réfléchir à l'équipe de l'Ivo et l'Unit là, conseillez-moi Charles Jean-Jacques, qui est ordonnateur, pour nous travailler avec eux, qui sont eux, qui n'ont pas pas, qui sont projet, pour travailler avec conseillez-moi d'énergie, directeur général EDHA, ministère de la République là, ambassadeur Taïwan dans OECC, pour nous donner une réponse pressée. Sous ça, son petit bas, il m'a demandé nous dans nos pays. C'est sous ça, ça m'a demandé nous. Deuxième, ça m'a demandé nous encore dans nos peuples là pour nous. Vous songez, ça son papa contre la nuit. Mais depuis qu'on est bien papa, il y a maman pour bien petite. Ça veut dire, dans contre ça, bon bagage, il y a dispatching. Dispatching dans le peuple là pour nous comprendre ça. Je dis à Port-au-Prince, il y a 47 circuits. Là pour faire mon circuit pour vous, son téléphone, on est allé, il dit, c'est ça déjà. Le téléphone est allé, non, pas vrai ça. Nous pas qu'à nos pays, nous avons parlé de modernité. Pour c'est comme ça qu'on a ouvert circuit, fermé circuit dans le pays. Il y a un système dispatching qui peut construire. Système dispatching, ça, il n'y a pas de projet ça. Et maintenant, de OECC, comment pour faire travail de très près avec l'équipe nous dit là et ministre financier pour le ministre pour voir comment pour que même si c'est pas notre seul budget pour nous être capable de mettre dispatching là et qu'il est même qu'on on s'en sait on rallonge pour nous battre avant ou bien tout donc on fait le plus OECC qui doit nous faire même des machins nous venons ici comme la tiba la prêter votre bois même là nous faut-il rallonge. Si on te prête nous 150, si par la coûte 15, nous allons continuer à nous donner 15 prêter, et puis les gens l'État ici, même payer, même genre. Ça a demandé nous ça. Et puis, qu'on sous-station, ça c'est des guillemets, ça c'est pas oublié. Là, nous te prenons décision pour nous construire les eaux électriques là. Plus gros inquiétude au SCT, c'est production énergie électrique là. C'est plus gros inquiétude lui. Parce que OECC connaît, nous pas même bien, nous sommes tant de directeurs général et DHA, monsieur très généreux, monsieur dit nous y a 150 MW. Capacité de camacher. Mais je dis à combien de MW qui sont venus là déjà? 50, 60, 70? 68 MW. Même déjà, peuple, nous ne parlons pas à la clé de vente, mais autant de déjà, peuple, il m'a beaucoup de ça. Et qui est ça, comme tout c'est pour lui? Peuple, c'est 68 MW qui est disponible sur le réseau pour nous, plus que ça. Et c'est pour ça, OECC était inquiet. Les là, pour construire un réseau qui a supporté environ 600 MW. Nous pouvons reconnaître ça, je dis. Je dis, nous pas qu'à dire OECC c'est tout bagaille tout, parce que nous avons négocié one digit là, 10 8 là. Nous avons négocié, nous pas qu'à dire OECC c'est ça. Mais je dis, avant de dire OECC, nous avons plus courant que ça nous avons cherché. Vous avez des gros torrents qui est en Haïti. Ça, docteur Galix, le président Konbaz, papa. Gros torrent parmi lesquels peuple a connu ou connu, nous avons dit les GI, général électrique, là, avec ça, nous avons regardé. C'est mastodonte qui veut. Eh bien, c'est pas lui seulement là, non? Au paquet, le gros torrent là, qui m'a déjà dit à PAM contrat, à TIVIT là. TIVIT là, PAM contrat, ma poêle. Ça veut dire, nous pas de problème de production. Et yo tout, yo dit que si les eaux apparaissent tout de suite,
l'occasion au contrat, c'est ça où l'on spot contrat. Ok? Ça veut dire un contrat court terme pour un an, ensuite pour passer sur un contrat long terme avant. C'est comme c'est un coup, ça nous est que l'État haïtien a travaillé pour le faire avec pays, la Turquie, avec 115 MW côté 36 MW pour le cap haïtien et 79 MW qui va le connecter dans Vareux. Ça, son contrat coûte dur que nous payons à 11 centimes 80 ces années. Parce que je dis, il n'y a pas de cacher non plus. Pas de confinement. Et nous clair, pas de contrat qui a signé par exemple là pour des termes confidentiels là-dedans. Il faut le sous-site EDH, il faut le sous-site ANAC, il faut le sous-site Travaux publics pour tout le monde connaît, tout le contrat, combien de temps la durée, pas de bien caché non plus. Donc, pas de confidentialité dans le contrat. C'est ça, peuple là qu'on a fait. Peuple là, pas de faire un contrat avec lui pour dire, oh, c'est pour cacher plus. Ça pas là comme ça. Nous avons un ancien contrat autour de DG, base à tout. Comme, pas un ancien contrat, encore de DG. On ne va pas encore. Bon. Ok, on va encore, pas un problème. Ça veut dire que nous avons des clauses de confidentialité, ça finit dans le pays. Pas de, c'est seul côté de clauses de confidentialité dans le contrat, c'est l'est des contrats de sécurité publique. Ça veut dire si c'est la police, si c'est l'armée, si c'est des bases stratégiques qu'on fait, laisse ça, on connaît. Pour protéger la sécurité du peuple là, c'est normal pour gagner des clauses de confidentialité. Après ça, faire contrat d'achat énergie, contrat pour faire route, contrat, c'est... Non, pour le peuple là contre tout. Aller-retour, un système de transport et de transmission qui pas si va en panne, c'est quand vous marchez et vous attendez une série de zones qui ne peuvent pas gagner de courant. Il y a travail pour boucler. C'est pour ça que je demande au ECC de, par exemple, sous-station d'avoir et dispatching qui nos zones d'Elma, c'est ça, dispatching qui nos zones d'Elma. Poussez pas nos téléphones. Moi, je fais bel travail à l'ECC pour répondre à mon téléphone, pour technicien EDH, après les coupez tel côté, ouvrez tel côté. C'est dispatching, c'est des coups pour permettre de ça. Je crois que l'éclair pour tout le monde, qu'aujourd'hui, nouveau réseau électrique, ça cap construire, il peut permettre de porter plus de capacité pour lui mettre 24 sur 24 et pour que tout ce courant qu'il a besoin, qui est capable de faire que l'industrie au marché, qui est capable de faire que l'hôtel au marché, et c'est pour ça que nous travaillons, nous misons la route, même si je me demande une excuse, en novembre, pour peut-être 24 sur 24 dans 24 mois, même pas de compte, si nous avons besoin de tout petit comme ça, même pas de compte si nous avons besoin de tout couvert ça, même pas de compte si nous avons besoin de tout lion ça, mais nous avons des deux, nous avons des différents, nous avons des amis, je vous dis, nous avons arrivé pour que ça fasse 24 sur 24 là, pour la réalité. Ça veut dire que ce n'est pas production courant par rien pour que les gens ne soient pas menti. Production courant par rien. C'est transporter, distribuer avec tout ce couple. Et c'est pour ça, EDH, je peux mettre sous pied, appel d'offres commerciales, là, je connais que tu as un problème à cause de subilance. Nous connaissons. Là, nous mettons un nouveau DG à tête chargée. Il y a un mec qui passe, qui dit que monsieur, je te dis, c'est sous un trait, il y a un passé pour nous installer, monsieur, comme déjà. Allons-y, on ne va pas être comme ça. En tout cas, le ministère de la République là-bas, on connaît la fin, premier ministre, parle pour le compte. En tout cas, DG, qu'on a aidé à cela, non, non, c'est pour gérer un beau père de famille, moins d'outils employés, bon innocent en banc, que les gars mettent devant pour y arriver avec gros causés, pour occuper les gars, pour soins employés, mais tant pis. Ouvrier, monsieur qui a monté sur le poteau, DG, prends soin de moi. Ça désigne dit on l'est, sans formule. Gratter bon, ma gratter de nous. DG, gratter de nous, mon dieu. On va dire avec Zibao, tu prends, là, on fait travail qui est bon. Aider pour eux-mêmes, pour être capable de tomber EDH, parce que c'est ça nous devons mettre. Et nous disons, on va aller, ma petite EDH solide, mon dieu. On EDH, je t'ai rêvé, parce que EDH, t'es dans tout bien. Je dis à moi déjà, on commence à mettre de l'oxygène, continuez à mettre de l'oxygène, prends soin de l'emploi, prends soin pour que tout
réseau ça en bas cité là capable construire à tout DG m'en gagne des trois équipements pour acheter tant pis bah il y a je pense que des trois pour nous tout si tu es au coup le département la Tibonite ça a dit là n'a parlé de 43 sites côté nous allons construire des réseaux de distribution la même côté on a pas bien comme là l'air de mon bus 150 millions on va le discuter encore. Il y a bon 20 millions pour toutes les villes provinciales, 130 millions pour les voisins, mais à cause de 14 mois de dossier de gouvernement, plus bien sûr, il y a eu un peu de obligé de mettre, OSS est obligé de mettre 7 millions de dollars sur lui. Quand il y a, et bien, 7 millions, bon, il n'y a pas de pagaille des amis, pour ne pas garder pour nous dire que, projet de la plus ancienne, pour ne pas garder 7 millions, il y a 7 millions en plus, côté, mon niveau, l'État haïtien est obligé de travailler. Payer 7 millions de dollars en plus. Tout ça encore, nous demandons pour que l'encontre qui fait pressé entre OSCC et tout PAM avec le ministre financier pour nous voir comment le problème ça va pour résoudre. 20 millions de dollars ça à nous va plus ça. Nous allons installer un réseau électrique dans le sous-rouge, Ternave, ça c'est le département de la Tibonite. Dans le département centre, nous allons installer un réseau dans le sac à sous Savanette. Dans le département Grandos, c'est l'équipe de Beloria. D'ailleurs, c'est l'équipe du Mar, dans tout le département de mon pays, dans affaires réseaux électriques. C'est un projet de zone grande, dans une zone qui était bien nette. Nous avons Abiko, Anse-Bénon, Beaumont, Bonbon, Chambellan, Corail, Damali, Mafron, Moro, Pestel, Roseau, Ilkaïne. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 communes. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? 12 communes sur 14. Celle commune qui parle là, c'est Jérémy Ablaziwa. Ça veut dire un pays qui a 217 ans d'indépendance. Quand on département, il y a une ville dans 12 communes dans le département, par exemple, pour faire l'électrique. Ça va être personnel. Eh bien, nous, nous allons construire un réseau électrique pour là. Parce que nous devons voter pour ça. Dans toutes les communes qui viennent dans le département, toutes les communes qui viennent dans le département de l'Ouest, il y a deux communes qui vont avoir un bout de fil électrique. Cornio, Fougère. Nous allons construire un réseau électrique dans Cornio, dans Fougère. Nous allons là. Nous allons. Vous mettez tout neuf, réseau électrique en Savou, Anou, Bayadé, nous allons construire le réseau dans Grand Boucan, dans Obas, nous sommes en nous sommes en genoux, après si comme nous, pour nous côté de descendre, dans l'hélicoptère, nous sommes en nous sommes en campagne, nous côté président, c'est Obas, nous sommes président, nous sommes tout net, ça veut dire que nous devons être en ça veut dire, nous sommes en Obas, nous sommes en courant, dans l'islam, c'est 400 familles qui vivent au Obas. Nous parlons de courant, toutes 400 familles. Et puis il y a l'asile, le titre de l'île, mon titre, nous avons dit à nous y a courant 12 heures d'avant par jour. Mais pour nous en avoir moins de ça, c'est parce que le réseau, il faut nous faire extension à nous et il faut nous vivre 24 sur 24 là. Toute liste en bas là, n'a pas parlé de ville qui va bien courant 24 heures sur 24. Plaisance de l'île, pour tout aller déjà. Nous avons une localité qui est loin, 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 loin. Côté nous te font pétition, docteur Alex Mbalem de ça, nous avons tout de suite réagi pour que il y ait 1200 familles qui vivent. Non, petit, la plaisance d'Alip. Après ça, il faut des blancs. Font des blancs. Nous mettons sur l'île, même quand c'est la sublime. Mais nous mettons sur l'île parce que mon travail est fait, il est plus près l'île. Parce que l'aime passe non. La Cafou et Moussignac, ou film qui tenait à Guane pour monter fond des blancs, c'est ça qu'il faut nous mettre dans tout travail qui va le faire dans le plan. Pour moi, son green commune maintenant qui va jamais dans le bout de fil depuis que nous a existé, c'est commune Baron. Les mêmes 604 familles vont pas installer le réseau électrique dans la commune Baron. Pour le département Nord-Est, la carrière côté me fait, il y a deux communes, la donne Guignon qui est quelque. Si vous courez légèrement, c'est mon bien coché qui sur l'île des livres là, il te font un petit ligne fil. Monophase.
avec la femme de mon enfant, j'avais dit, laisse une petite grande fille qui passe, une petite grande fille. Quand tu es, mon père Bochou, ça veut dire, si vous avez une petite industrie, non, mon père Bochou, il va gagner, parce que pour faire industrie, il faut que le courant tripasse. Ça veut dire, mon père Bochou, il a brûlé sur vous, pour avoir un réseau électrique tripasse pour vous. Et puis, Clarisse, magistrat, mon père, pour vous garder sans souffle, je vous dis à la petite, Clarisse, ou bien 1,500 familles dans privé sur tout, ou dans Nice, pour qui ça nous va parler de Capotine, vous organisez Valière, tout côté ça, vous actuellement, pendant la palais là, vous avez une tension, 23 kilos à construire, pour rien, trois communes. Et votre commune, donc vous les pêches, donc vous en avez fort liberté, avec Ferrier qui va gagner 24 sur 24 là, nous disons, pour qui ça nous va parler de vous, vous n'avez pas d'offres qu'à faire pour. Ils vont aller connecter avec réseau électrique par rapport là. Mais 12 MW solaires, on connaît que nous prenons bonne nouvelle maintenant, que l'appel doit faire lancer pour 12 MW solaires, la part mariage centrale qui est là, qui peut permettre de mettre fort liberté, férié, les pêches, nous vont passer mieux, moi nous voulons que commune moi marcher vite, pour nous venir pour 24 sur 24, même là tout le monde. Dans Nord-Ouest, nous avons commune dans le Safolaire, BDN, Bassin Bleu, Chansol, La Tortue. Toutes communes, vous pouvez passer dans la caillou pour le réseau électrique correct parce que ça nous est. Nous avons des petits filles qui passent, mais ils pas correct, ils ne pas respecter le monde international. C'est des petits projets qui sont élus et qu'on fait. Mais comme il y a, c'est des standards internationaux qu'on va mettre dans toutes communes. Dans le département sud, les Chardonnières, mon Chardonnière, nous sommes jeunes, nous sommes jeunes tout. Il la vache. Deux communes dans le département sud, même tout profiter du monde sud, nous la carouane, capteur de Gabgadem là, la carouane qui pouvait l'offre qui était si bourreau, nous te promettons ça, nous voulons que le Calix nous parle dans l'islam, nous augmenter le monde plus, la carouane, pour vous mettre courant dans la carouane, parce que c'est le monde qui vient venir vivre avec tout le monde. Sud-Est, qui c'est le dernier département, il y a sept communes, communes Bénet, nous connaissons qui vient. Courant, on peut connaître vous dans nous. Mais ça me dit nous donner, réseau nous n'est pas correct. Et nous connaissons, nous payons courant bien. Parce que l'information nous n'est 80% de nous donner, payons courant correctement. Ça veut dire, nous-mêmes nous la donnons, il y a 821 familles qui vivent de Bénin. Balance, il y a 1964 familles qui vivent là, la privée sur nous. Côte de Fer, il y a 457 familles. Nous l'avons mis le courant, pas nous tout. Rangosier, nous avons rangosier même si il y a le téléphone. Pas de rangosier. Je dis à. Vous parlez de courant pour que les compagnies de téléphone ne voulaient pas mettre antenne. Vous ne pouvez pas dire que les hommes ne sont pas rentables parce qu'il y a des courants qui ont acheté, qui ont acheté à bon marché. Parce que pas oublié, courant dans les villes, vous ne pouvez pas même plus avec courant dans les gros villes parce que le plus petit, je ne parle de 15 centimes, je ne parle de pour l'industrie. Vous pouvez définir plus, nous, plus courant résidentiel là, vous. Mais c'est pour l'industrie de Mali. Et dernier côté, c'est Laval et Jacmel, qui n'est 2000 familles, qui nous ont fait un bout de temps pour nous. Nous-mêmes, nous parlons de courant normal, même avec tout le monde. Nous, Kai Jacmel, nous, Marigo, nous sommes sur Jacmel là, qui lui-même, qui sont tous EDH, dans 6 gros réseaux. Réseau Noël, réseau Noël, réseau ville Port de Paix, qui vient Port de Paix. La donne avec la prête de Paris, réseau et avec Saint-Louis du Domcoin, réseau et Gonaïla, c'est le même type, c'est le deuxième plus gros réseau régional après réseau métropolitain. Ça veut dire les mêmes réseaux régional qui pratiquement est sous lui, Gonaïve, Gros Monde, Ennemi, Machin de Saline, Tiria de la Tibonite, Grande Saline. Dieu, Lester, Verrette, Liancou, Sémac, réseau SAAS et EDH qui responsable. Après ça, nous avons réseau régional. Jacques Mel, qui est pour la commune, nous avons dit Jacques Mel, avec
Marigot, réseau régional, Jérémy, qui va gagner la ville Jérémy seulement sur lui. Ensuite, il y a deux autres gros réseaux, Yonze réseau régional Ville-Caïla, réseau sud-là, avec réseau qui dans zone Palme, qui met trois départements qui sont connectés. Là, il y a Grand Guave, Tiguave, Grand Ouest, là, il y a Milaguane, Payan, Tiguave, Fondenet, Simon, et là, il y a Atien avec Vieux Boudakin qui est dans le sud. Mais là, dit nous, Vieux Boudakin à Kakin, je ne connais pas ce programme qui est en dedans. Ça veut dire, nous, quand on est, nous, quand on est venu, parce que nous, gros bouquin, nous, dans une grosse surprise pour nous. Vieux Boudakin, Atien, et Saint-Michel du Sud avec Fondenet, que nous avons pour nous. Parce que nous disons, mettez lumière, pas qu'à un luxe, mettez lumière sur obligation, c'est pour ça que nous voter. Et nous devons voter pour nous. Vous croyez que c'est là où aller, par une route cochue, raison noire, t'as pour nous pas dire, ma cité noire, raison noire, j'ai joué, Cap-Haïtien, Milo, Grand Rivière du Nord, raison noire. Les Cap-Haïtien, Milo, Grand Rivière du Nord, les liens Lembe, Balembe, Akil du Nord, Plaine du Nord, les liens Pomago Souli. L'autre ville nous avons cité, c'est que nous avons un appel d'offres, parce que nous avons un petit appel d'offres qui passait, il y a près de 7 communes qui ont été choisies, c'était commune en Sapit, commune Tiot, commune en Sadalet, commune Pré-Caraquette, commune Pilatre, commune Plaisance et commune Boy. C'est ça d'accord. Bon, ça veut dire pratiquement moi pour eux, mais là. Il va l'autre côté. 2000 rêves pour eux. Attendez, madame m'a dit, je vais vous dire pour vous. Beaucoup. Courage et bonjour à qui est. M'a dit, papa, son satisfaction personnelle liée moi aujourd'hui. Parce que son rêve, c'est un cousin maman qui est un petit qui a porté depuis 9 mois. Je dis à lui accoucher. Son rêve lié pour moi. Je suis content que moi je dis, réponse ça que m'a baillé dans toute transparence, m'baillé sans que nous-mêmes je dis, nous ne parlons rien parce que la vérité vous a franchi. Nous ne parlons rien en termes de menti, nous ne parlons rien. Ce n'est pas menti. C'était pendant que Dieu a construit que nous avons menti, nous-mêmes avons déstabilisé le pays pour chauffer le pays. Je dis à moi de tout le monde, policiers, professeurs de l'école, nous qui m'ont personnel médical là, malgré tout le monde qui travaille dans la justice, quel que soit fonctionnaire public côté, malgré le calme. Moi-même, je veux vous comprendre que l'air arrivé pour payer à déraper. Chaque moment arrivé depuis le groupe, ou bien le président qui vient pour faire bagailler l'objet, toute qualité bagaille de même gens comme là. Je ne sais pas si je vais signer un décret, si je vais signer un arrêté en 2016. Ça veut dire entre 7 février 2016 à 7 février 2017, tout arrêté, je vais signer. C'est pour combien de mois? Moi, j'ai eu des gros savants, moi, j'ai eu des gros articles constitutionnellement parlant, vraiment techniquement parlant. Mais, maintenant, je dis vous, proprement parlant, madame présidente, fini 7 février 2022. Merci. Merci Monsieur le Président. La bataille avec Mike, lui de bon temps, lui-même extrêmement approprié pour nous mettre nous debout, la bande d'excellence dans le Chita, s'il vous plaît, pour nous applaudir, Président Jovenel Moïse, pour courage. Et nous pouvons faire la côté hier, applaudir, Président, pour courage. Merci, Excellence, pour courage, pour payer ça, capable de prendre le développement. Merci Monsieur le Président, la bienvenue du Président de la République, le Premier ministre, ambassadeur à Taïwan, la bienvenue du ministre Affaires étrangères, ministre de la République, directeur général ANAC, directeur général IDH, gouverneur DRH, lui a procédé à un coup de pelle symbolique de construction centrale électrique. En outre, plutôt, c'est une sous-station électrique. Monsieur le Président, madame, monsieur le Premier ministre, monsieur l'ambassadeur et tous les autres qui devront les accompagner pour toute pelle symbolique, ça, oui, il fait
partie de l'équipe qui va faire coup de pelle symbolique ça, pour démarrer construction sous station ça, sous 10 mai. Merci à tout le monde. Pour 24/24 là, réalité a commencé jeudi. Et voilà, merci à tout le monde que nous sur télévision nationale d'Haïti, nous sur cérémonie spéciale. Ça, je vous précise là qui c'est lancement, travail, réhabilitation et sous-station ça qui pourra servir région métropolitaine Port-au-Prince. Il faut signaler que là, c'est une cérémonie côté qui a deux têtes. Exécutif là qui est présent, même cabinet là, et autorité qui est en quelque sorte très impliquée dans les affaires qu'on a parlé de directeur général électricité d'Haïti, ministre des Affaires publiques et télécommunications du présent, directeur général annoncé nous présent, le cadre cérémonie ça qui a un rapport avec courant, avec énergie là. Il faut signaler que c'est pays Taïwan, Chine Taïwan qui prête pays d'Haïti 150 millions de dollars jusqu'à 157 millions de dollars parce que le président républicain a annoncé que bon supplie que tu par rapport à la quantité de temps qui pourrait et pour le projet ça a été lancé et donc et entre temps il vient de l'autre l'argent qui montait ça qui vient de au total pour 157 millions de dollars pour réalisation travail ça vient de là. Côté que la président parle aussi sous station électrique ça, et même qui, côté que il a décidé pour être capable de peu courant, plus près, la tout le monde pays, à chaque jour plus, et là, bien économiquement, pour les jeunes métropolitaines, c'est déjà quatre sous-stations, c'était Soleil, Cabaret, et là, côté métropolitaine, sur sept côté métropolitaine, la Saint-Ville, Port-au-Prince, c'est une sous-station ça, avec AKR. Donc, là, c'est le signal pour nous que le président par la même occasion, le président lui-même lui a annoncé d'autres chantiers qui ont bien toujours le cadre pour capable de porter nous un peu plus, porter nous un peu plus chaque membre de la population, quel que soit côté pour le territoire national. Et là, je m'étais été précisé là, et si je dis à la président de la République, il y a des 68 mégawatts courants qui sont disponibles dans votre poste. Donc, l'esprit de travail, ça, je dis à là, c'est un pas positif vers sans capable pour être plus facile 150, plus facile 600 mégawatts courants, nous pays d'Haïti pour aider nous à jouer courant. Et on connaît que le courant électrique là, nous-mêmes, ce vecteur de développement, ce vecteur nous, le développement durable vers l'investissement durable, nos pays. Donc, quel que soit le pays qui est sur la terre, depuis le courant électrique, de tout le business, de tout le monde qui a fait. Donc, je dis à la, laissez travail, ça, on est sous station, petit jeune gabinet, soutien que nous, tout acteur qui concerne le Brésil, pour capable de faire un sujet symbolique pour dire que désormais, si ça, le plan de Brésil, il y a une sous station qui a pu être courant à la caillou dans le pays d'Haïti, particulièrement dans les régions métropolitaines, pour tout le reste. Voilà, c'est. Avec le discours d'occasion, l'ambassadeur Taïwan dans le pays d'Haïti m'a parlé de JMQ, monsieur a rappelé, il était fait historique côté l'agence a sorti, il a rappelé de qui occasion que le pays d'Haïti était sollicité pour ça, qui c'est 150 millions de dollars. Mais je me suis précisé, la présidente de l'UNI a rappelé que le fait que ça peut prendre tant pour le processus a été lancé, donc Vingé, on plus qui peut être sur lui. Donc c'est là, on va appeler tout le monde que sur télévision nationale d'Haïti, on va suivre en direct la cérémonie ça. Là, moi, j'aime te signaler, là, nous présent avec un acteur qui est beaucoup plus concerné dans la cérémonie ça, que Dr. Johnson Calix, nous connaissons aussi responsable de la CID. Donc, je dis à la, ça veut dire pour cérémonie ça, pour bien lancer le travail qui a rapport avec réhabilitation de façon isométrique. Et mon pense que le président se donne l'explication appropriée pour ça. J'en ai dit ça, j'en ai dit que le point important pour nous capables de mettre
et en place les eaux, l'infrastructure de distribution et l'infrastructure de transport qui pourra permettre de nous alimenter les régions métropolitaines de l'Ouest, qui pourra permettre de nous faire en fait construire les eaux de distribution dans 43 sites. Et là, je pense que c'est important pour nous capables de lancer et lancement de travaux, je vous disais, parce que l'étude était faite déjà, c'est pas lancement projet. Hein. Pour garder il y a plusieurs parties, il y a une conception d'études finie et là, aujourd'hui à matin, pour lancer et lancement exécution de travaux. Que nous pouvons capables que notre démarrer, là, on a signé un site qui va avoir une nouvelle sous-station qui va l'alimenter, une nouvelle cité de progrès. Désormais, nous sommes capables de dire nous plus près que plus loin. Oui, absolument, parce que là, et où nous commençons, donc sous-station va commencer à construire, et nous connaissons qu'une fois que nous construisons sous-station, nous avons capacité et sous-station dans le pays, dans la région métropolitaine, qui est à peu près 360 MW, et après toute sous-station fait nous rénover et nous acheter de nouvelles lieux, nous avons une capacité pour faire transiter sous réseau 600 MW au niveau capacité de station. Donc ce n'est pas intéressant, ça veut dire que sous les produits disponibles, on va permettre que pour arriver à la camion. Et voilà, on a pas tout point que nous t'attendons des précisions, directeur général avancé à Evanson Calix, qui t'a expliqué pour quelles raisons il a décidé de construire sous station ça avec un pilote comme. On a rappelé que c'est au moment ça c'était pour lancer officiellement le travail qui vient pour avec renforcement de capacité énergétique dans le pays d'Haïti. Télévision nationale d'Haïti, comme d'habitude, nous tous là pour de vivre chaque sac à passer dans le pays, tout bagage qui a rapport, surtout avec développement durable en dedans pays. C'est bien un plaisir pour toute équipe là qui est mobilisée depuis matin pour de vivre activité ça, côté gens nous disent là qui a rapport avec le travail qui pour porter courant puis près la carte. Tout, c'était toute équipe qui mobilisait sous supervision directeur général à la télévision nationale là. Nous remercions toute équipe technique mobilisée pour te permettre image ça a rentré sous tir dans la carte. Merci studio, merci téléspectateurs pour fidélité nous avec attention nous. Studio de Matoupa, ou notre premier. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.